Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Senua. Allons-y, allons voir ce qui nous attend derrière la porte. With the mark of Valravn and the mark of Surt, you may cross the bridge over the river of knives to Helheim. En effet, direction Helheim aujourd'hui. Un grand donjon nous attend, en tout cas. Il semblerait. Au chaud. Vous auriez des œufs? Pas moi. That I would let you go, that you lost me back in the wilds. I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow, and I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. They came through stormy black seas, they raided these shores. Do you still hear his screams? And now that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. En tout cas, ça a l'air sympa, Helheim. Dis ça, je l'ai dit. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering worse than death.
And you wanted to surrender, abandon, and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye, and you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. Bon, eh bien, la petite Tenua a l'air déterminée. Donc, eh bien, allons-y. Suivons son regard. Oh. Tu veux te battre ? Eh bien, viens tâter du Lumi. Ah vous. Oh il esquive. J'ai voulu mettre un coup de pied mais... Ah t'es... Là. Je sais plus jouer, ça y est. On prend du recul. À toi. Faut juste que je réapprenne à faire des parades parfaites parce que j'ai pas joué depuis hier. Du coup, je suis un peu rouillé. Ah là là. Et en même temps c'est toujours galère hein. Oh merde. C'est parti pour attaque sauter et il m'a interrompu. Ok à toi maintenant. À toi monsieur bouclier. J'espère que tu es prêt à tâter du Lumi. Dans ce petit combo, deux coups, un coup de pied, deux coups, un coup de pied. Généralement ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas pour je ne sais quelle raison. Mais ce petit combo il fonctionne super bien contre ceux qui ont un bouclier. C'est sombre ici. Bonjour. Vous auriez de la farine ? Oh, what? Direct ça. Ah ouais, comme ça. Allez, relève-toi ma grande. Tu vas pas laisser ce gourgandin te mettre au sol, si? Montre à ce tas de muscles que ce n'est jamais plus qu'un tas de graisse. Ah, j'ai pas vu venir celle-là. What? Oh non mais... Ah, il m'a défoncé là l'espace d'un instant. Allez lève-toi ma grande. Qu'est-ce qu'il fait? Ah il est stun, d'accord. J'avais pas vu ça comme ça. J'attends de régénérer un peu histoire d'être tranquille mais... Mais c'est impossible. Je sais pas comment faire en fait. Ouais, je devrais esquiver sur le côté en fait compte. C'est ma faute.
Oh. Faites-la vous. Esquive. Ouh. Ouh. Ah parfait, nice. Ah parfait, nice. Allez, que ça, les combats s'énervent complètement là. Il... Le jeu est déter. Oh. Je vais l'éliminer celui-là. Trop dangereux. Beaucoup trop dangereux pour que je laisse comme ça avec si peu de vie. D'autant plus qu'il y en a deux. D'autant plus qu'il y en a trois. Aïe aïe aïe. Ah oh, parfait, nice. Recule, recule, recule. Recule mon bon vieux Lumi, recule. Ouh. C'est passé loin celle-là. Ah parfait, nice. Au suivant. Ouh, l'enchaînement des parades, parfait, let's go. Au suivant. Merde, un bouclier. En résistant cela, hein. Ouh. Eh bah dis donc. J'ai littéralement pris contre un mur. Je pense qu'on va avoir un petit moment de calme. Après ces triples combats là. Je pense sincèrement qu'on va avoir le droit à notre petit moment de calme. Généralement le jeu fonctionne comme ça, il met des combats assez intenses et ensuite il enchaîne avec des moments un peu plus calmes. Ok, je vais voir si la porte était ouvrable mais apparemment ça doit être un raccourci. Donc nous avons un code à faire, un X, un S et un espèce de machin bidule. Oui, ce sera le machin bidule. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself. You will find yours. However you come to the gold-covered bridge that leads to Hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to Hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. D'accord. Disons comme ça. Alors je regarde par rapport à où pourraient être les différents glyphes. Une fois que t'as compris qu'il y a un ordre, le problème ne se pose pas vraiment. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, mais t'as des éléments de décor maintenant. Ok. Bon, ça nous indique quand même très visuellement effectivement qu'il y a quelque chose, mais c'est bon, ça va. Mais je sens quand même que, tu vois, le sommeil a fait son travail. Je suis beaucoup moins... Au début j'avais un peu mal parce qu'il fallait le temps que je me remette aux commandes, mais après que 2-3 combats j'y suis facilement m'y remettre. Donc ça c'est le X, ça c'est le final, voilà ça après. D'abord trouver celui qui est en forme, pas celui-là, pas ça, c'est le S. C'est le son. S pour Senua, tu crois? Non. Hein, pour descendre, non? Avant de descendre, je vais voir l'échelle parce que j'ai vu qu'il y avait une échelle. Oh, bah, il y a une pierre. Alors, j'ai vu que dans ce chapitre, il y avait que 2 pierres. Je me suis renseigné avant de lancer le chapitre. À combien il y en avait, au moins ça. Donc ça, j'ai une idée fixe. Donc à mon avis, c'est la dernière pierre pour aujourd'hui. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold, all will stumble.
Her bed is called Sick Bed, and her bed hangings are called Flames of a Funeral Pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Je crois savoir où est le X. Je sais pas, j'ai vu une forme en... Ah bah c'était plutôt... Ok, ouais, c'était pas le X. C'était pas le X, mais à mon avis c'est doit être le X aussi, mais c'est différents points de vue d'un même élément. À mon avis c'est quelque chose comme ça. Donc on a trouvé le X. Et spoiler, ce n'était pas sur Twitter. à mon avis, ouais voilà, ça doit être le même... Le bon angle peut-être. Bingo. À mon avis, c'est un même item qui forme plusieurs runes selon la perspective dans laquelle on la voit. C'est intelligent sur de penser. J'avoue que heureusement qu'on est aidé par les, enfin visuellement on est aidé par les indicateurs, parce que je t'avoue sans ça, ce serait galère. Hein. On avait le X tout à l'heure, oui, le blanc. Alors c'est peut-être pas tout à fait la même chose. À mon avis, est-ce que tu penses que encore un peu, non? Ah, comme ça, d'accord. Je voyais, je faisais le problème à l'envers. Bingo. Ok. La porte devrait pouvoir s'ouvrir. On a trouvé toutes les pierres. Aujourd'hui, ça devrait pas être un épisode très très long, je vous avoue. C'est un petit chapitre. Vraiment, contrairement au précédent qui était vachement long. Et où je me suis vachement perdu. Le jeu est quand même vachement beau. Hein. C'est peut-être pas forcément au niveau des textures, mais surtout au niveau des effets lumineux, de la pluie, etc. Alors, je sais pas si ça le rend sur l'enregistrement, mais il y a un petit effet visuel qui est bizarre, que je suis pas très habitué. À mon avis, ça doit être des calculs GPU qui sont faits assez régulièrement dans cet aspect. Mais il y a un petit quelque chose, je ne saurais pas expliquer. Elle nous attend. Ella nous attend. Ah bah c'est ce qui s'appelle le... n'est pas à faire face, je suppose. Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares? Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed.
What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's a curse. The shadow hates. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your sword. Come on. There. Why go on, when you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined? Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling. Song. It's not real. It's a trick. It's not real. It's real. Listen to it. She can't give up. Didion. It's not like this. It's not real. It is real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in yourself? Et c'est le moment pour nous de nous laisser ici. Oui, je vous ai dit que c'était un épisode très très court aujourd'hui, petit chapitre. En tout cas, j'aime bien. Tiens, ça marque à monter. en tout cas, j'aime bien le thème qui est proposé sur cette partie de l'épisode. Le côté, tu sais, quand tu affrontes tes, entre guillemets, ténèbres intérieures, les choses qui te font peur, etc. Et puis que celle-ci t'écrase littéralement et que tu en es à tellement t'abandonner sur une plage et te demander à quoi bon continuer. Qu'il faut trouver la force de se relever et de continuer d'avancer. Ça, c'est pas toujours le plus évident. Il est souvent beaucoup plus facile de juste s'abandonner sur un rocher et de laisser le monde vaquer à ses occupations pendant que nous, on est en train de pourrir dans un coin. Bon, après ce petit moment un peu philosophique, un peu intéressant, on va dire, moi, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le chapitre numéro 5, normalement. Je crois. Oui, c'est le numéro 5. Prenez soin de vous. À la prochaine. Tchuss.